Grandance, premier côté Falande, après mener nous là, c'est dans rue Léopold Dominique, côté gagnant, construction d'Alo et d'Alo Sayo qui gagne une grande portée pour les gens qui vivent dans la zone, ça qui pourrait aider de l'eau circuler comme ça doit, ça tout qui pourrait permettre que des gars limités, les gagnants gros là, puis cap tomber, parmi une période cyclonique, et bien travail a été fait dans ce sens-là, population réagit par rapport avec qualité de travail, ça qui a réalisé. Image pour nous tout ça avec Falande Delphin et puis Laurent Dali Jean-Jacques Coigny là. Toujours dans le département Grandance, c'est le travail qu'a fait dans construction canal, construction d'Alo, toujours dans l'idée pour permettre l'eau à faire route, toujours dans l'idée tout pour capable améliorer la circulation et permettre nous vivre sans qu'à sauter, si tout les gagnants, gros la pluie, les gagnants mauvais temps, capable de traverser ces zones-là. On a regardé tout ça avec Falande Delphin et puis Laurent Dali Jean-Jacques. Amis téléspectateurs, Télévision Nationale d'Haïti, pourquoi elle est là, nous trouvons nous en bas Moncarousse, dans Caracoli 2. Nous toujours dans le département Grandance pays d'Haïti, côté que caravane changement, il a effectué travail pour permettre moun dans zone ça yo bénéficier yon dalo. Zone ça côté que le gen a pu tomber, toujours gen en pile inondation, toujours gen en pile de l'eau qui rentre la caille moun yo, et bien là gen canalisation qu'a fait, gen caniveau qu'a fait pour qu'elle est là, qui pral permettre moun dans zone ça yo même le puis tomber, yo circuler libre et l'eau à tout lui-même pour capable faire chemin. Là pourquoi elle est là, nous dans zone ça travail ça va effectuer, gagner tout yon main d'œuvre qui déjà en action qui a permettre moun yo même yo améliorer condition la vie le que gagne l'appui pour éviter que gagne trop dégâts qui fait dans zone ça. On a suivi en image qui Jean travail ça a réalisé puisque déjà gagne yon parti béton qui coulait pour permettre travail si là li avancé. On a regardé. Tell us back.
L'idée programme c'est aller chaque semaine sous terrain et avec caméra nous, avec micro nous, permettre ou même capsule nous comprendre qui ça réalité a yé, qui j'en situation présentée, travail qu'a fait pour permettre ou même ou prendre connaissance de yo et ouais qui impact, qui différence ça capable de faire dans la vie communautaire. Parce qu'au final, c'est ça que nous souhaitons. C'est différence qui est faite, service qui est joint yo. Et ou même tout qui a accès à ensemble de services, quel que soit côté où vous trouvez yo dans le pays. Et là, avec l'équipe nous qui sous place, l'équipe nous qui dépêche sous terrain, non seulement nous garder ça qu'a fait, mais nous garder ça qui mérite fait, mais ça doit améliorer, dans la perspective, bien entendu, pour améliorer les conditions de la vie de la population. Parce que les gens ont voté, ils voulaient à ce que le service retourne à joindre, ils voulaient à ce que la vie soit améliorée, ils voulaient à ce que, n'est-ce pas, bon, pas qui fait. Parce que, de toute manière, ces pays nous, chaque fois ça marche bien, la bien incidence sur la vie nous, et ça capable de permettre, n'est-ce pas, eh bien, réalité à différent, nous attirer investissement, richesse créée, et ça a bien moins de précarité, a bien moins de misère, et ça permet à Mounio évoluer dans de plus bonnes conditions, et l'espoir, très certainement, à retourner, et surtout, bon côté, jeune Mounio. Alors, nous continuons à virer au noir, et c'est Falan Delphèque pour refermer lui, avec l'Europe, bien entendu, c'est Becker, dans une zone, toujours dans la Grandance, c'est pas trop loin de Jérémy, Dalo, qui a construit, dans une zone ça, toujours dans l'idée pour faciliter de l'eau après Chimeli, en route li, et permettre à monde qui vivent dans un salon de mauvais temps, que yo pas cassé. On a regardé ça. La télévision nationale d'Haïti, équipe la trouvée, pourquoi elle est là dans le département Grandance pays. Là, pourquoi elle est là, nous, justement, dans Berkier, côté que gagne un travail, béton qui a coulé pour capable bay moun dans zone ça, on dalo. Zone ça qui gagne près de 34 ans depuis la souffri, côté que zone ça, qu'on gagne inondation, le gagne la pluie a tombé, eh bien, à travers caravane changement, eh bien, béton déjà a coulé pour permettre moun ça bénéficier, yon dalo, ça qui pral permettre que yon même yon circule et puis bien et le lapi tombe tout pour éviter de rentrer en de Kaimoun qui habitait dans la zone Berkier. Nous allons parler avec la population dans la zone, nous allons parler avec l'autorité bien entendu pour aller expliquer nous et faire nous comprendre qui importance travail ça gagne pour la communauté Berkier et pour la communauté Grande Sienne. Gouvernement tout ça ils vont faire pour nous là parce que nous avons de l'eau là c'est un bon problème et bien là là pour tomber c'est obstacle et ça tu as longtemps pour te faire mais comme bah on fait qu'on y a là nous un réel plaisir pour nous d'abord parce que nous elle fait et nous dit nous merci toujours et elle a continué faire l'autre bagaille pour nous toujours parce que tu as longtemps là pas qu'à fait. C'est le premier ingénieur passé, on n'a pas marché. Le deuxième venu, on n'a pas marché. Mais grâce à nouveau Katel Sak vin là, nous disons merci. Sot suiv ki jan deroulman travay betonaj pou permèt ke moun nan populasyon Berkier yo benefisye de on dalo. Population dans zone si là qui gagne près de 34 ans depuis y a souffri avec de l'eau ça le li sorti en haut dans tête maintenant qui coulait vinn jeune bon en bas et bien travail pour canaliser de l'eau ça travail pour permettre que moun dans zone ça ou la pi tomber pour capable passer sans difficulté dans zone ça et mes travail ça ou a fait et c'est grâce avec caravane changement que travail si là a réalisé. Nous sommes parlé avec quelques moun dans population tout qui montrait nous importance que travail ça gagne. C'était pour télévision nationale d'Haïti, Falan Delphèque. Voilà, c'est la
a campé pour semaine ça, nous avons fait le département nord, nord-est, en Tibonite, qui est passé dans la commune de Boucan-Carré avec Wimitine, la Belader, dans le département centre, nous avons fait grande danse. Nous faisons sud, vraiment, et c'est un gros viron. Nous promettons la semaine prochaine à retourner. Et là, ça, on a parlé très certainement, et ouais, plusieurs communes, ouais, plus de travail qu'à réaliser, ça qui a été connecté à tout ça qui a passé dans le cadre de la caravane changement. Merci tout le monde, restez sous télévision nationale d'Haïti. En attendant, nous retrouver la semaine prochaine pour notre émission comme ça. À bientôt.